Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se trouve au chapitre numéro 198 et 199 de Blue Lock. On les a pas encore lus, on va les découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti! Avec pour seul objectif le but de Nagyéréo détruit la défense allemande. Angleterre, Manchester City, milieu centraux, Nagyéréo. Pas encore! Pas encore! Faut que je passe! Encore un peu! Encore 10 mètres! Non, 7! 5! 3! 1! 0! Isagi qui arrive de nulle part. Wouah! Isagi! Allemagne, Bastard München! Milieu centraux, Isagi Uichi! L'esprit du héros de Réo le pousse à faire la passe à Inagi. T'avais d'autres choix qu'ici, sale bleu. Putain, c'est pas fini! Angleterre, Manchester City, attaque en pointe, Chris Prince. I am Earl, super lucky boy! C'est terminé, Chris. Range tes affaires, on rentre. Allemagne, Bastard München. Milieu défensif, Sotro, Noël Noah. Faites faire. Faire des heures sup. Désolé, mais on est réglé dans notre équipe. Joli dégagement. Non, pour moi. Angleterre, Manchester City, latéral. Shigure Yoma. On est devant les cages, c'est pas terminé. D'ici, j'ai plus qu'à percer. Tu n'iras pas plus loin. Allemagne, Bastard München, latéral, Corona Renzi, à force de faire la même chose, même un idiot ne te laisserait pas. Le nain tressé, je ne peux pas avancer. Agui, Angleterre, Manchester City, attaque en pointe, Agui, si haut, c'est haut. Dans ce cas, je passe en bas, et ça sera la fin. Ta fin merdique est rejetée. Allemagne, Bastard München, attaque en pointe, Michael Reiser. Non, Kaiser, reviens avec une meilleure conclusion. Tch, tch, le ballon est encore en jeu. Kegamaru, numéro 99, face à Rayo, qui a la balle. Angleterre, Manchester City, milieu centraux, Mika Guerrero qui s'apprête à frapper. Même le ciel est à mes côtés. Je défendrai. Il frappe. Super réflexe de Kegamaru. De justesse. Nagi Seishiro l'arrête. Ouais Réo, ici c'est parfait. Angleterre, Manchester City, attaque en pointe, Nagi Seishiro. C'est une passe, boulet de gardien. Ah, ils m'ont eu, non c'est zéro. Isagi sort de nulle part et enlève le ballon de Nagi. Les autres choqués, Réo et Isagi. Nagi, j'avais dit que vous n'aurez pas d'avenir. Le duo en carton, Allemagne, Bastard München, milieu centraux, Isagi Uichi. Lorsque deux héros ayant le même objectif en vue se croisent, une réaction chimique se produit. C'est la logique derrière les réactions chimiques. On ne peut pas l'expliquer simplement de manière rationnelle. Il faut analyser chacun de ces héros et trouver leur point de croisement en partant de là. Même les miracles peuvent être brisés. Il met en pratique sa nouvelle pièce, dessine un but encore jamais vu pour la prochaine offensive. Et pour ce dernier acte, le héros sera mort. Chapitre 199 intitulé Que vois-tu? Waouh! Encore une nouvelle défense in extremis. L'analyse de l'esprit du héros lui a permis d'anéantir le but du duo Réo Nagi. C'est l'heure de la contre-attaque de l'égoïste. Isagi Uichi a stoppé Nagi Seishiro. L'histoire donc, je suis le héros actuellement. L'objectif sur lequel je dois me concentrer. Évidemment, c'est rien d'autre que mon propre but. Flairer leur histoire a fonctionné pour la défense. Maintenant, on l'utilise pour l'attaque. Pour pas me faire gêner par Yukimiya et Kaiser, je dois trouver le chemin vers les cages. Non, le chemin le plus court vers les cages. Par là, c'est mort. Je serai coursé. Dans ce cas ici, non, je passerai pas. Putain, sérieux. J'essaye d'anticiper et moi, je trouve le moyen de marquer. Isagi, ici. Putain. Merde, je serai toujours trop loin même après les défenseurs. Je vais devoir jouer avec Corona et avancer au max avec le ballon. Non, il y aura toujours Chris et Kungami cherche aussi sa chance. Il viendra voler le ballon dès la moindre opportunité. Brah, merde, c'est pas possible. J'ai beaucoup trop d'obstacles là. Il me manque presque rien. Si seulement j'étais un peu plus rapide, si je pouvais faire des meilleures passes ou des meilleurs tirs. De meilleurs tirs. Même si j'ai une vision d'une dimension supérieure. Je n'ai pas le physique pour réaliser toutes ces images. Avec la métavision, l'esprit du héros et l'esprit du héros. J'arrive à savoir quoi faire et où. Et justement parce que j'anticipe tous beaucoup mieux. C'est rageant, ce n'est pas une arme qu'il me manque. Il suffirait seulement de monter à peine à,
chacune de mes capacités. Mais maintenant, ça suffit pas. Je suis faible. Rah, je veux trop m'entraîner. Ça marche pas comme tu veux, égoïste. Mika Guerrero, essaye de me passer, gros cerveau. Merde, merde, merde. J'arrive pas à capter mon esprit du héros. Allons-y, Sagioichi. D'Allemagne, Bastar München. Milieu défensif, centraux, Noël Noah. J'ai décidé de te suivre. Noah, quoi? J'avais prévenu que je suivrais le plus rationnel. Ah, et Noël Noah a décidé de venir en soutien. Développe ta pensée, prends en compte ma présence et étends tes options. Alors, que vois-tu? Merci beaucoup. Je les vois, toutes ces routes vers le goal. Et ce sont tous des objectifs réalistes. Oui, c'est possible. T'es bien sûr qu'il n'y a aucun facteur incertain? Non, aucun. Seulement, j'ai plusieurs choix devant moi. Je ne sais pas lequel est le meilleur. J'ai pas le temps de traîner. Lequel? Oublie le bruit parasite. Ton ambition est trop forte. Tu dois faire un choix. Garde un esprit rationnel. Ne te prends pas pour un dieu. Si à cet instant, tu ne pouvais réaliser qu'une seule chose, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux gagner contre Kaiser. Voilà ta réponse. Il trouve son esprit du héros grâce à Noah et rentre dans le flow. Avec le maître à ses côtés, il trouvera sans aucun doute sa meilleure action. Allons-y, Sagioichi. Oui, maître. Fin du chapitre. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. On va se laisser là-dessus. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.